Le professeur Dupont avait 10 cacatoès. Il en était très fier. Chaque matin, il sautait de son lit, il prenait une douche et se brossait les dents, comme d'habitude. Il s'habillait et nouait sa cravate, comme d'habitude. Il chaussait ses lunettes, comme d'habitude. Puis il descendait au rez-de-chaussée. Il pénétrait enfin dans la serre où se trouvaient ses cacatoès. Tous les 10. Et comme chaque matin, le professeur Dupont ouvrait les bras en s'écriant « Bonjour, mes petits amis emplumés !» Tous les matins, il disait exactement la même chose. Le jour vint où les cacatoès se dirent qu'ils deviendraient fous s'ils entendaient ne serait-ce qu'une fois encore le même refrain. Ils décidèrent de jouer un tour au professeur Dupont. Les uns après les autres, ils s'échappèrent par un carreau cassé qu'ils avaient découvert dans un coin de la serre. Le lendemain matin, le professeur Dupont pénétra dans la serre et ouvrit les bras. Il n'y avait plus de cacatoès. Où donc étaient partis tous ces oiseaux ? Le professeur Dupont entra dans la salle à manger. Pas de cacatoès. Il entra dans la cuisine. Il y vit Hortense, la cuisinière, qui lui faisait cuire un œuf à la coque pour le petit déjeuner. Mais toujours pas de cacatoès. Il regarda dans la chambre. Pas de cacatoès. Il regarda dans la salle de bain. Pas de cacatoès. Il regarda dans les petits coins. Pas de cacatoès. Il monta sur une échelle et braqua une torche dans le grenier. Pas de cacatoès. Il grimpa même sur le toit. Pas de cacatoès. Il regarda dans le garage où se trouvait sa voiture. Toujours pas le moindre cacatoès. Il descendit à la cave, mais là non plus, il n'y avait pas de cacatoès. Le professeur Dupont en avait la tête à l'envers. Ses cacatoès étaient introuvables. Où diable s'était-il caché ? Le professeur Dupont n'endormit pas de la nuit. Le lendemain matin, il sauta de son lit, prit une douche et se brossa les dents comme d'habitude. Il s'habilla et noua sa cravate comme d'habitude. Il chaussa ses lunettes comme d'habitude et il descendit au rez-de-chaussée. Le professeur Dupont pénétra dans la serre. Tous ses cacatoès étaient revenus. Tous les 10. Le professeur ouvrit les bras en s'écriant « Bonjour, mes petits amis emplumés !» Il y a décidément des gens qui n'apprennent jamais rien.